Ils sont 7, 7 français, 7 youtubeurs Lego, 7 passionnés de la petite brique danoise à avoir reçu un matin un colis au nom de Brick Mag. Ils sont 7 à se retrouver plongés dans une toute nouvelle compétition, le Brick Magster Challenge. Un challenge qui leur demandera de se surpasser, d'aller toujours plus loin dans leur technique de construction, de chercher le nouveau, l'audacieux, que dis-je, le fantasmagorique. Ils vont devoir se retrousser les manches et mettre leur cerveau à disposition de leurs mains afin de devenir le meilleur constructeur. Découvrez les candidats de la première saison de Brick Magster Challenge. Notre premier concurrent, ou devrais-je dire nos premiers concurrents, le groupe AF Prod, tout droit sorti d'une chaîne YouTube de brick film et de construction, ils seront de sérieux candidats, car réfléchissant à deux, leur cohésion d'équipe va être mise à rude épreuve. Venus tout droit de la Réunion et habitués des shorts de bain et des tongs, les Cubes de Léo sont les deuxièmes participants à ce Brick Magster Challenge. Ils devront là encore sortir de leurs serviettes et abandonner le baume soleil de la Réunion afin de mettre leur cerveau sur table et de réfléchir à deux à cette construction. Troisième participant à ce concours, Mads Brick. Avec ses cheveux blond platine, cette véritable pile électrique du groupe va devoir se retrousser les manches et réfléchir à un projet qui pourrait bien dynamiter les autres membres et le propulser à la première place de ce challenge. Notre quatrième concurrent, Valentin le Legoman. Habitué des briques fines et donc de la minutie, il devra redoubler de patience afin de construire quelque chose qui lui accordera toutes les voix du public. Cinquième participant de ce challenge, la boîte à moque. Décidée à en découdre tant par les points que par les Lego, cet enragé de la brique va devoir se calmer et faire preuve d'une grande imagination afin de relever le défi qui lui était imposé. Notre sixième participant n'est autre que Pico's Lego Channel. Donné largement favori dans les sondages, il est la cible à abattre pour les autres concurrents. Habitué des modes Harry Potter, ce défi est pour lui l'occasion de montrer sa supériorité sur les autres. Et enfin notre dernier concurrent, Sango Lego. Renard des surfaces, opportuniste des grands jours, il est l'électron libre le plus dangereux de ce groupe. Capable du pire comme du meilleur, il sera surveillé comme le lait sur le feu. Ils sont donc 7 à s'affronter dans un Brick Mag Challenge de toutes les surprises. Ils sont 7 et à la fin, il n'en restera qu'un. Oh, ça c'est votre tête. Là, actuellement, vous avez fait. Oh, attendez. C'est impossible. C'est lui. Non, je n'y crois pas. Vous avez bien raison. Quelque part, je ne peux qu'aller dans ce sens-là, que vous dire. Oui, cette chaise grince toujours autant, c'est un scandale. Et oui, il a disparu pendant un mois et demi, il n'a pas donné de nouvelles. On se dit, bon, allez, c'est bon. Cette fois-ci, il a réellement abandonné les Lego. Ça fait 2-3 fois déjà qu'il nous lâchait, comme ça, pour des durées indéterminées. Pas du tout. Pas du tout. J'étais simplement parti travailler, évidemment. Aujourd'hui, c'est la petite vidéo de rentrée. Est-ce qu'elle fait pas plaisir, cette vidéo? Alors, je vous dis ça, mais si ça se trouve, je vous aurais sorti d'autres vidéos avant. Évidemment. L'art du planning, il est ici. Bref, chers amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, oh, plein de nouvelles choses. Je vous en parlerai une autre fois. C'est pas terminé, c'est la Lego Room. Mais comme vous pouvez le voir, ça avance beaucoup. Je suis déjà dans une nouvelle pièce. Ça risque peut-être de résonner encore un peu. Il y a des réglages son à faire, etc. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres quelque chose d'absolument inopiné. Né. En 5 syllabes. D'accord? J'ai reçu quelque chose. Bon, je vous le montre. Hein. Je vous le montre parce que j'ai reçu un colissimo. Voilà. Alors, je vais pas vous faire tout le sketch du colissimo que t'attends un jour, qui ne se pointe jamais, voilà, etc. Ah oui. Oui, il y a ça devant, mais ça, c'est la marque du colissimo. Je veux dire, bon, The YouTuber Brick Magster Challenge Brick Mag. Écoutez, j'ai reçu ça. Alors, je ne suis pas du FBI, encore moins de Scotland Yard, et toujours pas de la BAC. Mais je sais que Brick Mag, bon, c'est un magazine. Hein. Fort bien, c'est un magazine de Lego qui plus est. C'est intéressant. Quels autres indices? The YouTuber Brick Master. Ça veut dire que c'est un concours, peut-être? Je ne sais pas. Je n'ai pas ouvert ce colis. Hein. Par contre... Je sais qu'il y a des choses dedans. Donc on va l'ouvrir. Mais en tout cas, j'ai bien hâte. Je vais vous expliquer. Je connais évidemment toute l'origine de ce colis. On va l'ouvrir. Je vous explique ça. Un peu de punch. C'est parti.
Bien, nous sommes donc repartis avec l'ouverture de ce colis. Alors, comme vous pouvez le voir, The YouTuber Brick Magster Challenge Brick Mag. C'est un colis qui vient donc de chez Brick Mag, le magazine de Lego, qui en est à sa parution du 6e ou 7e numéro, je crois, si je ne vais pas dire de bêtises, lorsque cette vidéo sortira, ce sera le 6e, il me semble. Ils m'ont contacté pour participer à un challenge, le Brick Magster Challenge. Alors, c'est un projet en collaboration avec beaucoup d'autres chaînes YouTube. On est 6 ou 7, j'ai plus trop la mémoire des chiffres. Tout ça, ça a été mis dans la description. Allez voir dans la description de cette vidéo, il y aura et les noms des participants et leur chaîne YouTube. Et vous verrez qu'ils ont tous unboxé ce colis aujourd'hui. Donc comme ça, on est tous raccord en même temps. Alors, comme participants, il y en a certains que vous connaissez. Il va y avoir évidemment l'ami, que dis-je, l'ami, je dis le collègue, je dis même le sorcier avec qui nous avons évidemment travaillé main dans la main. Baguette entrecroisée, nous étions sur le même livre de potions. Je parle évidemment de Picos Lego Channel avec qui nous avons fait tous ces tutos pendant les vacances. Il y a aussi Mats Brick, il y a aussi la boîte à moc, il y a également AF Prod. Donc vous pourrez aller checker leur chaîne, je vous y invite, et vous pouvez également les soutenir en vous abonnant à leur chaîne si jamais leur contenu vous plaise. Nous, on va arrêter de blablater et on va ouvrir ce colis. Alors, ce qui est bien avec Colissimo, c'est que vous pouvez tirer de la languette, apparemment. Donc on va tester ça. Ok, bien. Alors, le colis a l'air d'être à peu près ouvert. Oh oui, et regardez, à l'intérieur, il y a un paquet. Ah, chouette. Alors, une enveloppe sous-scellée, donc je ne l'ai pas ouverte, hein. Regardez. Oh, il y a des choses dedans. Alors, au tâté, oh, mais il y a pas mal de choses dedans même. Il y a l'air d'avoir une boîte avec des pièces, il y a l'air aussi d'avoir un petit livret. Ici, il y a ma paire de crocs, et ici, des piles à 4. Ok, bon, alors je pense que nous avons donc des crocs radio téléguidés. On ouvre l'enveloppe, sans plus attendre. Il faut avoir fait ma plus vite. J'en force pour ouvrir des enveloppes. Et attends. Incroyable. Oula, oulala, oulala. Il y a beaucoup de pièces, je vois des choses. Je vois des choses. Ok. Oh là là. Alors, je sors. Oh, une petite enveloppe. Incroyable. Ensuite, nous avons... Oh, une petite mallette de briques. Et également... Oh, une autre mallette de briques. En plus, on a deux mallettes exceptionnelles. Et enfin... Le dernier numéro de Brick Mag. Ah, ça, c'est cool. Ok. Donc, on va commencer par là. C'est dommage, le mien s'est un tout petit peu abîmé dans le... Dans le transport, c'est pas bien grave. Donc on a le dernier numéro de Brick Mag, le numéro 5, c'est ça. Donc du coup, c'est bien ça, ce sera le 6e qui va sortir en septembre, je pense. Je vais lire tout ça, je le lirai dans la semaine. C'est franchement cool. Merci à Brick Mag de nous avoir donné ça. Alors, nous, ce qui nous intéresse, cette enveloppe, qu'est-ce qu'elle dit ? Cher YouTuber, es-tu prêt pour ton défi ? Brick Mag te met au défi de réaliser une construction avec toutes les pièces, sans exception, à disposition dans cette enveloppe. Je suppose que nous parlons donc des deux petites mallettes. Tu devras construire un engin volant pour y intégrer la magnifique Brick Mag incluse dans le vrac. Les visuels de ce véhicule de l'espace seront présentés aux internautes et soumis à leur jugement intersidéraux. En bonus, Brick Mag offrira un abonnement d'un an à un de tes abonnés que tu feras gagner comme bon te semble sur ta chaîne. À vos marques. Prêt ? Briqué ? Ouh ! Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette missive, de cette lettre ? C'est un petit concours de construction où il va falloir réaliser un engin volant. Nous avons donc deux mallettes. Alors, on va les ouvrir, ces mallettes. Nous avons ici la petite minifique Brick Mag. Sympathique. Tout le monde ne l'a pas, cette minifique, dis donc ! Donc il faudra caler, il faudra que le vaisseau soit à l'échelle de la minifigurine. Nous avons des pneus, bien, nous avons des barres techniques, j'aime pas le technique, nous avons beaucoup de choses techniques, ah, nous avons des carrés ici, on a de la petite pièce, on a de la petite pièce, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, ok, de l'autre côté on a des gros, alors, je change, tac. Alors là, on a un autre axe technique. Nous avons également pas mal de pièces, bien, de différentes couleurs. Ça fait un peu Lego Dots avec les yeux, etc. Donc les yeux vont être importants à intégrer. Je suis en train un petit peu de réfléchir à ce que je vais faire.
En tout cas, on a pas mal de pièces différentes, c'est plutôt cool. Il y a l'air d'avoir pas mal de techniques. Ça va être ma hantise à caler dans le set. Par contre, il y a des pièces de jolies couleurs, j'aime beaucoup. Il y a du doré, il y a du dark blue. Ok, il y a moyen de faire des choses. Bon, alors je vous explique comment ça va se passer. Je vais remettre les petits... En tout cas, ça a été magnifiquement bien protégé. Bravo à Brickmag et merci. Hein. Évidemment, je les remercierai en fin de cette vidéo. Mais déjà, merci à eux d'avoir pensé à moi pour ce petit concours. Donc, je vous explique. Cette construction, je vais vous l'offrir entre guillemets en live. C'est-à-dire qu'on va construire ça tous ensemble en live quand j'en sais rien. Donc pour ça, il va falloir aller me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, pour savoir quand est-ce que je vais démarrer ce petit live de construction. On va essayer de trouver quelque chose qui soit à la fois esthétiquement beau et aussi un petit peu fonctionnel. J'espère également qu'on pourra mettre des gros bâtons dans les roues de nos adversaires en leur disant déjà, en leur mettant des gros coups de pression et en leur disant qu'on va gagner ce concours, évidemment. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour le live de cette vidéo et ensuite la diffusion de la dernière vidéo, le projet final. On fera notre petite présentation, donc on va essayer de trouver aussi une petite vidéo drôle à faire. Je vous incite à aller au moins checker Brickmag ce que c'est, à aller voir sur Facebook. Ils ont une petite page Facebook. En tout cas, merci à eux de m'avoir appelé pour ce concours. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir pensé à la chaîne. On va essayer de se battre au maximum avec cette communauté, avec la communauté sangolégonienne, évidemment. Nous sommes une communauté super super, tout le monde le sait. pour essayer de remporter ce petit concours, puisque nous sommes des compétiteurs, évidemment. Nous avons été formés dans la compétition. Ça fait 3 ans que l'on s'entraîne jour et jour, jour et nuit. Moi, je vous laisse. Je vous laisse vous abonner, mettre un petit pouce bleu, évidemment, si cette vidéo vous a plu. Peut-être un petit commentaire. Et puis j'arrête cette voix de footballeur piteux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Merci à tous et à la prochaine. Ciao les amis.